Salam alaikum, Mazur Fillaouen. Bonjour. Cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu entre deux nations en guerre. Deux grandes armées disposant d'armes et d'équipements d'égale puissance. À quelque chose près. En tout cas, en attendant que les hostilités reprennent, inéluctablement, invariablement, sans aucun doute, c'est un cessez-le-feu provisoire entre deux guerres, entre une armée désarmée, et de dangereux civils, entre la plus grande démocratie du Moyen-Orient et la plus grande nation des bébés terroristes. Voilà. Voilà. Une guerre très équilibrée, donc. On ne peut pas plus équilibrer. Puisque tout le monde sait qu'un David malingre est censé donner une tannée à l'énorme Goliath. Demandez-le aux Israéliens, ils vous raconteront l'histoire. Voilà. En tous les cas, cette grande guerre a soulevé des passions dans le monde entier, presque autant que le match de la finale de la Coupe du Monde, ce qui est un record en soi. Dans de très nombreux pays, des manifestations gigantesques ont scandé leur soutien aux bébés terroristes. Dans le monde entier, particulièrement dans le monde occidental et particulièrement en Amérique latine. Mais la plus grande démocratie du Moyen-Orient aussi a eu droit à des manifestations d'une très grande ampleur. Regardez. Vous voyez, voici comment un petit malin a commenté cette manifestation extraordinaire qui s'est déroulée à San Francisco et qui est éligible au Guinness Book de la plus grande manifestation du monde. Voilà ce qu'a dit un petit malin. Je le cite. Une importante manifestation pro-israélienne à San Francisco pour soutenir l'armée de Tsahal. Selon les organisateurs, ils étaient plus de 2 personnes. Et selon la police, ils étaient que 2. De la même manière que les forces en présence étaient donc équilibrées, le bilan de cette guerre qui a duré 4 semaines a été d'une importance à peu près égale dans les deux camps, à peu près le même bilan. Environ 1900 morts palestiniens, dont 90% de non-combattants, des civils maquillés en civil en fait. Parmi eux, environ 500 dangereux terroristes qui se sont déguisés en bébés et en enfants. Et 250 membres des forces spéciales Razaouis qui étaient entrés dans la peau des femmes, de femmes au foyer. C'est de la sournoiserie antisémite. Mais on ne la fait pas à Tsahal, l'armée la plus morale, mais aussi la plus perspicace du monde, qui sait ce qu'est une frappe chirurgicale, puisqu'elle a frappé même dans les blocs opératoires des hôpitaux de Gaza. Elle sait aussi comment apprendre la politesse aux générations futures de façon catégorique et définitive, puisqu'elle a largué des paquets cadeaux dans 2 écoles de l'ONU. Côté israélien, bilan à peu près égal, comme on l'a déjà signalé, à quelques centaines de victimes près quand même, des peccadis. L'armée terroriste de Gaza a fait des carnages parmi les civils. 67 civils déguisés en soldats des armées qui ne faisaient que passer. Et un civil, un seul, mais un vrai civil, qui s'amusait à renvoyer les roquettes palestiniennes avec une raquette israélienne périmée. Sinon, rien de vraiment changé dans cette guerre, sauf 2 ou 3 petites choses sans importance. On a ainsi découvert que PS en France ne veut pas dire Parti Socialiste. Non, PS, ça veut juste dire Parti Sioniste. Le parti le plus sioniste du monde. Du militant au président en passant par le concierge et jusqu'aux indigènes de service qui sont dans les organisations satellites du parti sioniste comme SOS Racisme, dont le président Dominique Sopo se démène comme un beau diable pour hurler contre les hyènes qui hurlent contre Tsahal. Plus haut, au plus haut du parti sioniste, depuis que Hollande a appris que Valls dit Valls quand même, va se présenter aux prochaines élections présidentielles.
et que le CRIF l'a assuré de l'élire à la tête de ceux que le général de Gaulle appelait tendrement les veaux. Hollande fait monter les enchères et beugle son soutien à Israël en même temps qu'il rue des quatre fers contre les bébés terroristes. Obama, Ban Ki-moon et le reste des grands de ce monde continuent d'envoyer des bisous à Maître Sion en le priant de bien vouloir agréer leur profond et dévoué attachement. Encore que depuis que l'opinion publique mondiale semble se réveiller et apporter leur soutien aux bébés terroristes, bombardés en gros et dans le détail, ces messieurs-dames qui dirigent l'Occident ont mis un peu d'eau dans leur verre de sang. Ils ont vraiment fait preuve de beaucoup d'équité puisqu'ils ont parlé de carnage et de massacre, mais aussi, pour faire bonne mesure, d'intolérable terrorisme du Hamas, lequel terrorisme ne pouvait donc que justifier la juste colère et la légitime riposte de la démocratie agressée. Ils ont donc appelé les deux parties à plus de pondération. Oui, ont-ils rechanté en chœur la main sur le revers du veston. Israël a le droit de riposter au terrorisme qui empêche ses citoyens de prendre l'apéro tranquillou. Mais il doit faire des efforts et ne pas les mettre dans la gêne, ses copains, en trucidant des écoliers et des gens en train de se faire opérer ou de téléphoner aux gens pour leur dire de sortir de chez eux et de les canarder après. Faut pas mettre les potes dans la gêne, dans la bouise quand même, quand même. En Amérique du Sud, c'est la révolution du jamais vu, une vraie révolution mondiale, dans le plus pur style des Américains du Sud. Un vent palestinien souffle sur la cordillère des Andes. La Bolivie place officiellement et très sérieusement Israël sur sa liste d'États terroristes. Oui, États terroristes. Le Brésil a rappelé son ambassadeur pour consultation. Et réaction du tout petit Israël face au géant brésilien, un diplomate israélien a traité le Brésil de nain. Eh oui, vous voyez ça d'ici? Israël qui traite le Brésil de nain? Comme quoi. Le Chili, l'Équateur, le Pérou ont eux aussi rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour consultation. En Argentine, où la Palestine est officiellement reconnue en tant qu'État indépendant, Cristina Fernández Kirchner, la présidente de la République, a personnellement marché en premier rang contre l'agression sioniste dans une immense manifestation qui a eu lieu dans la capitale argentine. Le président uruguayen José Mujica a exigé un retrait immédiat des troupes israéliennes de Gaza et menace de rappeler son ambassadeur. Des pressions populaires sans précédent s'exercent sur tous les États des pays d'Amérique du Sud pour prendre des mesures sérieuses contre Israël et pour le peuple palestinien. Ce sont les peuples latino-américains qui montent au créneau. Rappelons que d'autres pays latino-américains avaient rompu depuis plusieurs années leurs relations diplomatiques avec Israël, comme Cuba en 1973, la Bolivie et le Venezuela en 2009, le Nicaragua en 2010. À côté de ces réactions de l'Amérique latine, celles des États arabes et musulmans sont plutôt très, très, très mesurées, au compte-gouttes de la parlotte. Même les condamnations sont pesées au trébuchet et très probablement soumises à Netanyahou avant d'être communiquées aux médias. Les dirigeants arabes tremblent et titubent lorsqu'ils n'envoient pas leurs journalistes maison ou leurs imams en guerre contre le Hamas. Les premiers allant jusqu'à appeler l'armée égyptienne à frapper le Hamas et de refuser l'accès des blessés palestiniens dans les hôpitaux égyptiens, les autres en décrétant que les manifestations pour la Palestine sont haram. En Algérie, on a fait mieux. Les dirigeants ont décidé d'une minute de silence et de 5 minutes d'arrêt de travail entre midi et midi 5. Du jamais vu dans l'histoire des arrêts de travail. 5 minutes de travail pendant la pause déjeuner. Fallait vraiment être du régime algérien pour trouver une telle ficelle. Netanyahou est mort de rire et il s'est tapé dans les cuisses avant de reconnaître que ses copains d'Alger ont fait mieux que tout le monde. En tous les cas, ce qui ne fait pas de doute est que le blocus de Gaza ne sera pas levé, sera même renforcé, puisque les Gazaouis ne pourront même pas reconstruire les centaines d'habitations et d'infrastructures détruites. Une nouvelle marchandise vient d'être reproscrite et rajoutée à la longue liste des produits interdits à la consommation à Gaza,
alors qu'elle y était déjà. C'est le ciment. Il faut vraiment être génial comme un sioniste pour proscrire un produit déjà proscrit. Un diplomate israélien vient d'annoncer la couleur. Voilà ce qu'il déclare au Figaro. Je le cite. « Il ne faut en aucun cas que le Hamas puisse importer du ciment pour reconstruire le réseau de tunnels que nous avons détruit. Le béton ne sera plus autorisé pour Gaza. » Fin de citation. La prochaine fois, il faudra plus de restrictions sur l'alimentation de l'eau, puisque celle-ci sert à désaltérer les terroristes du Hamas. Mais bon, pas de problème. Au point où ils en sont, les Gazaouis ne devraient pas faire leur grincheux, ils n'ont qu'à reconstruire leur maison avec de la boue mêlée à de la paille, comme leurs ancêtres faisaient autrefois. Pour leurs tunnels terroristes, ceux dont ils se servent pour aller jusqu'à Tel Aviv, pour poser leurs bombes, fini, stop, la récréation est terminée. Pour le reste, le blocus sera levé pour ce qui concerne les uniformes militaires jusqu'à la taille bébé. Ainsi, à Gaza, tout le monde sera habillé en soldat et même en commando. Et ainsi, grâce à cette trouvaille géniale, il n'y aura plus de civils tués. Aujourd'hui, le Figaro. Pour la sénatrice Esther Benbassa, le Hamas sort gagnant de la guerre. El Watan. Gaza, une session urgente de l'Assemblée générale de l'ONU demain, mercredi. RFI. À la une, Gaza, le calme avant la tempête. Avec nous aujourd'hui, Rabha Attaf, journaliste, et Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Rabha, alors, qui est sorti de vainqueur de cette guerre contre les civils, d'après vous? La cause palestinienne à travers le monde. Voilà le grand vainqueur de ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui n'est pas, malheureusement pas terminé, puisque le Hamas, rappelons-le, qui fait partie du gouvernement qui gère Gaza, hein, parti majoritaire puisqu'il a gagné les élections en 2008, législatives, le Hamas, effectivement, a des revendications très fermes, à savoir la levée du blocus économique contre Gaza et la libération des prisonniers politiques depuis 1993. Je pense qu'il restera ferme là-dessus, à tel point, ça a été la surprise lors des soi-disant négociations et pourparlers qui ont eu lieu au Caire sous l'initiative un petit peu téléguidée, même plus que téléguidée des Égyptiens. Il est tellement ferme là-dessus qu'il a été rejoint effectivement par Mahmoud Abbas, bien sûr, hein, ce qui a étonné toute la diplomatie internationale. Jusqu'à présent, les Israéliens avaient réussi à diviser l'autorité palestinienne qui gère Ramallah, donc principalement l'OLP et Mahmoud Abbas, et de l'autre côté, les mouvements islamistes. Donc on a effectivement à Gaza, non seulement le Hamas, le djihad islamique, mais aussi on a un autre mouvement qui n'est pas islamique du tout, et dont on parle jamais, c'est quand même, c'est des gauchistes, c'est le FPLP. Oui. Je rappelle que le FPLP combat actuellement aux côtés... Attends, c'est bien de le rappeler, parce que dans leur propagande, les Israéliens veulent faire croire qu'ils n'ont... parti qu'à Hamas, il n'en est rien, vous le confirmez? Oui, tout à fait, je le confirme. Le FPLP, oui. Les combattants du FPLP se battent aux côtés des combattants des brigades Azdin el-Qassam et d'autres d'ailleurs. Donc, c'est pas Israël, et je pense que ça trompe personne maintenant, ne fait pas une guerre contre un mouvement islamiste. Ils ont agité effectivement l'épouvantail islamiste, sachant que ça prenait surtout dans l'opinion publique occidentale. Mais ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le Hamas a un très bon outil de communication. Ils ont compris qu'ils devaient se servir des réseaux sociaux pour diffuser leurs propres images. Et il suffit à n'importe qui de regarder une vidéo des combattants du Hamas en action, donc des brigades Azdin el-Qassam, pour se rendre compte que c'est une armée constituée de gens qui utilisent une tactique de guérilla, ce qui est effectivement le droit légitime de tout peuple colonisé. Exact. Restez avec nous, Rabah Attaf. Sofiane Gilali, que pensez-vous de cette grande mesure prise par l'État algérien de cette minute de silence et de ces 5 minutes d'arrêt de travail pendant la pause déjeuner?
Oui, tout d'abord, bonjour à tous Bonjour. les téléspectateurs. Oui, le gouvernement algérien a demandé aux Algériens de se taire. Taisez-vous. Taisez-vous encore une minute symboliquement pour dire ne parlez pas de Gaza et arrêtez de travailler pendant votre arrêt de travail, 5 minutes, pour travailler moins, au lieu de demander aux Algériens peut-être de travailler un week-end au profit de Gaza, ça aurait été peut-être préférable. Mais bon, c'est pas la première fois que ce type de mesure est demandée aux Algériens. En fait, le gouvernement algérien est resté silencieux pendant les 3 premières semaines, pratiquement, de ce massacre, de cette tragédie, de ce drame, pour un peuple qui est maintenu dans une prison à ciel ouvert et qui est bombardé, abreuvé, de bombes sans arrêt. Il y a eu plus de 10 000 tonnes de bombes déversées les 3 premières semaines sur cet espace de 365 km², ce qui est complètement effroyable et effarant. Et puis, le monde qui regarde ça sans broncher. D'ailleurs, cette semaine, nous avions constitué une délégation avec plusieurs personnalités de l'opposition et de la société civile algérienne. Nous avions rendu visite à plusieurs ambassades de pays représentés au Conseil de sécurité, en tout cas les membres permanents. Et on leur a dit directement, en particulier aux représentants des États-Unis, on leur a dit qu'on était choqués d'entendre le président Obama se plaindre qu'il y ait eu un emprisonnement, une arrestation d'un soldat israélien sur le territoire de Gaza en train de tuer les Gazaouis. Et il avait demandé sa libération immédiate et sans condition. Il avait qualifié cet enlèvement supposé Exactement. de barbare. Alors qu'un soldat israélien qui se glorifie sur les réseaux sociaux d'avoir snipé 13 enfants les uns après les autres et qu'il était heureux de le faire et qu'il se proposait de continuer sa sale œuvre, eh bien, ça n'a pas ému un seul chat. Absolument. Voilà, nous le lui avions dit directement, nous lui avions dit beaucoup d'autres choses. Mais pour revenir au gouvernement algérien, ce n'est que ces derniers jours qu'il s'est senti tellement honteux qu'il a peut-être essayé de faire semblant de parler, parce qu'au début, il est monté dans le train égyptien, qui sont partie prenante de ceux qui agissent pour bloquer les Gazaouis. Ils sont co-auteurs du blocus. Incontestablement, on sait très bien que l'État égyptien est en guerre contre les frères musulmans, mais est-ce que ça a un rapport avec ce que subissent les Gazaouis? C'est toute cette folie dans laquelle le monde arabe se trouve aujourd'hui, un monde arabe qui n'a plus de repères. L'ambassadeur russe nous disait il y a 2 jours, on attendait une prise de position des pays arabes qui soit unique, qui soit forte, qui défendent les intérêts des Palestiniens et du monde arabe. Malheureusement, il n'en était rien, et c'est ça la triste et amère Et que vérité. pensez-vous de la réaction des États d'Amérique latine, d'Amérique du Sud? Ils ont sauvé l'honneur de l'humanité. Les pays d'Amérique du Sud connaissent depuis de très longues années les affres de ce que peut être un impérialisme agissant. Et ils ont connu au Chili, au Nicaragua, partout ailleurs, y compris les grands pays tels que le Brésil et autres, ce que signifie la liberté absolue des uns et l'asservissement absolu de l'autre. Restez avec nous, Sfianzil Ali. Rabaa Attaf, comparé à celle des pays d'Amérique latine, que pensez-vous de l'attitude des pays arabes d'une façon globale et générale? Alors, je salue le président Mansaf Marzouki de Tunisie, qui a appelé la population tunisienne à manifester pour Gaza et qui a pris une mesure très concrète d'envoi d'aide d'un avion pour les Gazaouis. Il a sauvé l'honneur du monde arabe. C'est bien le seul alors. C'est l'unique. Quant aux autres, je vais rentrer dans l'infrapolitique, cher Jamal Addin. Nous sommes les mêmes. Nous aimons savoir ce qui se passe derrière le rideau. Il se trouve qu'un certain nombre d'États arabes ont des relations économiques avec Israël depuis plusieurs années. Tout à fait. Dont Et l'Algérie aussi, il faut le certains préciser.
n'est pas épargnée, puisqu'il y a du matériel, on avait capté il y a X années, en pleine guerre, entre guillemets, contre le terrorisme, il y avait une importation de matériel militaire et électronique de pointe en provenance d'Israël via une société relais qui s'appelle Alcatel, française. Exact. On a aussi capté une importation de quelque chose qui touche tous les Algériens, à savoir le médicament. Alors, je vous explique comment ça se faisait. Un bateau battant pavillon israélien, accosté à Marseille sur le J4, transportait sa marchandise sur un bateau algérien qui repartait par Alger. Je vous rappelle que cette ligne de crédit était tenue, puisqu'il est maintenant mort, par feu le général Smaïl, Oui. et que sa famille en a hérité, notamment sa fille qui gère la ligne de crédit de l'importation des médicaments en Algérie. C'est deux exemples sur lesquels on a pu avoir des preuves tangibles. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Et si ce n'était la deuxième intifada, l'Algérie était en passe de rétablir des relations diplomatiques à l'époque avec Israël. Donc, effectivement, tout s'explique. Le Qatar aussi n'est pas en reste. L'Égypte, alors n'en parlons pas, puisqu'elle sous-traite, hein, ça c'est clair. L'Égypte, on a un super paradoxe en Égypte. C'est qu'elle vend son gaz à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire à un demi-dollar le mètre cube pour les Israéliens, sachant qu'elle est en pénurie de gaz, mais qu'en plus, elle va importer du gaz qui lui a été piqué par les Israéliens, puisque les Israéliens sur la mer Méditerranée, aussi bien au large des côtes égyptiennes qu'au large des côtes de Gaza, ont mis la main sur les gisements de gaz et commencent à les exploiter. Donc on comprend pourquoi ils sont aussi arrogants aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, Israël est en passe de devenir l'équivalent d'une pétromonarchie, même plus grave, puisqu'elle c'est un État militaire, d'un pays effectivement producteur d'énergie. Mais il Et n'y je a plus de tabou, il n'y a plus de tabou, l'ennemi sioniste des Arabes, etc. Maintenant, ils sortent du bois. Certains appellent à frapper, à bombarder le Hamas, comme en Égypte. D'autres imams prêchent que les marches pour Reza sont haram, ne sont pas licites, etc. Ils sortent du bois maintenant. Il y a la position des gouvernants, il y a la position des peuples. Les Égyptiens, par exemple, ont organisé une caravane de 500 personnes, médecins, médicaments, etc. Pour Gaza, très tôt, ils ont été stoppés à la frontière du Sinaï, du côté de la Rish, hein. Donc, il y a la réaction des peuples. Les peuples sont tenus en Égypte. Ils ont interdiction de manifester depuis très longtemps et surtout pas en ce moment pour la Palestine. C'est une question très sensible pour eux. Idem en Algérie. Je suppose qu'en Algérie, la levée des manifestations n'a pas été effectuée et que les Algériens manifestent actuellement sur Facebook. J'ai énormément de sollicitations. Les Algériens se manifestent, diffusent l'information, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir un méchant retour de bâton sur le régime. Nous allons demander à Gilali Sofiane justement. Gilali Sofiane, on avait parlé lors de la dernière fois que vous étiez passé sur cette émission des manifestations que vous prévoyez d'entreprendre avec ou sans l'autorisation du régime. Alors, si jamais les hostilités reprennent, est-ce que vous avez un plan, une feuille de route pour organiser des manifestations éventuelles avec ou sans l'autorisation du régime? Je rappelle simplement qu'il y a eu plusieurs manifestations dans diverses wilayas. Les Algériens sont sortis en très grand nombre, malheureusement pas couverts par la télévision, donc très peu d'images. Que nous avions tenté une sortie sur Alger, c'était juste 2 jours après mon intervention sur votre télé. C'était une manifestation qui a été organisée par plusieurs personnes, plusieurs organismes. Malheureusement interdite par le pouvoir. Nous étions restés sur la place du 1er mai pendant plusieurs heures, mais sans possibilité d'avancer. Ça confirme certaines personnalités historiques, telles que Djamila Bouhered était là, mais Djamila Bouhered, qui avait tout donné pour l'indépendance de l'Algérie, se voit interdire de marcher dans son propre pays. C'était le cas de plusieurs autres grandes personnalités Mais historiques. c'est quand même hallucinant qu'un pays comme l'Algérie puisse interdire à ses citoyens de manifester leur soutien à la Palestine. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est la peur de la rue que les gens puissent se servir de ces manifestations pour se retourner contre le régime?
Ou est-ce pour soutenir Israël, en fait, pour appeler les choses par leur nom? Pour soutenir directement Israël, pas publiquement en tout cas, je ne sais pas s'il y a quelques accords cachés et quelques soutiens, mais ce qui est absolument évident, c'est que le régime actuel se sent tellement acculé et sachant qu'il est illégitime, il n'a pas envie de s'attirer les foudres, ni des lobbysionistes dans le monde, ni le grincement de dents des Américains ou des Français ou des Anglais. Donc, M. Bouteflika se taire, il se tait, il ne dit pas un mot et il veut laisser la tempête passer. Le peu de choses qu'ils disent, on le voit, c'est pour soutenir l'axe entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les Émirats arabes, c'est-à-dire la nouvelle formule sioniste arabe. Malheureusement, ce que vous disiez, le wahhabisme, finalement, ne fait que travailler au corps les sociétés musulmanes pour les préparer à se détacher totalement, non seulement de la cause palestinienne, mais aussi par rapport au patrimoine islamique. Vous savez que beaucoup pensent que le Daesh, par exemple, avec les destructions qu'il commet du patrimoine, des mosquées et autres, n'est qu'une préparation psychologique pour qu'il y ait la destruction du Masjid al-Aqsa. Sofiane Voilà, et ce Zilali. serait avec une complicité directe avec ceux qui étaient censés protéger la mémoire du patrimoine islamique dans le monde arabe. Sofiane Zilali, merci de votre participation en espérant vous revoir bientôt. Rabah Atta, vous avez moins d'une minute pour conclure. Et bien, la conclusion, c'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur des mouvements islamistes comme le Hamas ou comme les Frères musulmans, puisqu'effectivement, je suis convaincue, pour les avoir rencontrés, pour avoir lu ce qu'ils écrivent, qu'ils font partie justement de ceux des musulmans qui défendent le patrimoine de la culture islamique. Et c'est pas hasard, effectivement, si l'Arabie saoudite finance tous ceux qui sont prêts à les détruire, y compris Israël. Rabah Attaf, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. C'est moi Cette qui émission est maintenant terminée, en espérant vous revoir bientôt, demain d'ailleurs. Salam alaikum, Mazur Villaoun, bqaou ala khair.